Eh bien, salut tout le monde, c'est Texas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur Blood Symphony, en compagnie aujourd'hui de deux magnifiques, magnifiques enfants. Il s'agit donc de Bain et Zeus et de Falamanga, donc, Bonjour. dont un qui peut parler, bonjour, Bonjour. et Comment l'autre qui a vas-tu? décidé de ne pas parler, qui ne peut pas parler, qui n'est pas disponible, mais qui va Il tout de est suite s'en aller. timide? Ah, je crois bien qu'il est timide. Ah, il est timide. Est timide. Donc, depuis la dernière fois, on a fait des petites cahutes ici, histoire de ranger un peu nos affaires, et puis justement pour l'arrivée de Monsieur Brynesus. Ah, quel Ah. enfoiré. Donc voilà, petite visite de la petite cahute vite fait. Hop, c'est sa maison, vous voyez, c'est marqué dessus. Et la mienne est ici, et Fana devrait en avoir une dans pas longtemps. Quand je ne sais pas, Quand peut-être tu quand décideras. c'est... Voilà, c'est ça. Donc, je propose qu'on commence tout de suite par les petites news sur le serveur. Donc, ça va être encore Fana qui vient nous faire le petit speech de ce qui s'est passé sur le serveur ces dernières semaines. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Alors déjà, je tiens à dire qu'il y a deux nouveaux monojoueurs qui se nomment... attendez, je vous dis ça. ZZ Joker et tu... Et j'arrive pas à prononcer ça, tuteur, voilà quoi. Donc bienvenue à vous dans le staff, hein. Ouais, Voilà. un gros bienvenue. Et vous voyez que tout de suite, Monsieur Painedus va reboucher les trous. Parce qu'ils vont en chier. Ils savent pas ce qui les attend, enfin, les pauvres. Ah, les pauvres. Non, enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore comme nouvelle? Ah oui, ma fac, enfin ma fac, ma fac, ma première fac est de retour sur le serveur après quelques mois d'absence. Cette fac qui a fait parler d'elle pendant très longtemps, qui est véritablement une légende vivante, est revenue à peine pour. exagéré. Oh, enfin, ne t'inquiète pas, je pense que Kira pourra même te confirmer. Pas de souci, je te crois. Bon, voilà, donc je dis un petit coucou à toute ma fac, à mes petits choux, hein, et toi t'arrêtes de me saouler, sinon je vais te frapper. Va taffer, Bagnésus, tout de suite. Ok, attends, F Non, non, et non, non, demi, non. non, quand même pas. Bon, voilà, à peu Tiens, près, ton est-ce que je... salaire. Non. Non, je rigole. Et Bon, moi allez. aussi j'en veux! Ah Non, non. parce que toi, tu nous fais le speech d'abord. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je ne sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Bah, tu sais, les nouveaux plugins qui ont été installés pour. Ah oui, on a. Alors, Kira a mis un nouveau plugin. Enfin, il a remis un plugin. Celui que quand on tue des mobs et du joueur, on gagne de la monnaie. Hein, bien sûr. Pour nous acheter des choses au shop. Voilà, toutes Donc, il y a sortes de un... choses. C'est vrai que ce sera beaucoup plus facile avec ça de pouvoir gagner de la monnaie, de vous faire un peu d'argent, parce que c'est vrai que sinon c'est vraiment la vente, la vente, la vente, et dans ce cas il faut des fortunes et tout ça. Ouais. Ah oui, alors je tiens bien sûr à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ci ou ça dans le Shop, shop? ouais. Eh ben, je vais vous dire, parce que ce n'est pas un serveur RP, hein, c'est un serveur PVP faction. Donc normalement dans un PVP vous avez besoin juste d'un stuff, à la limite d'un arc, des flèches et des épées, ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Bon. Après bien sûr on a aussi une arme spéciale, on va dire. C'est un bâton de blade en fait, et avec ceci vous pouvez faire des sorts, différents sorts que vous pouvez trouver soit dans les donjons. Ouais, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale donjon, le hors-série qu'on avait fait. C'était d'ailleurs la dernière vidéo qui était postée sur le serveur. Voilà. Donc n'hésitez Et pas à aller voir. sur le site aussi, sur le shop en ligne, vous pouvez trouver des sorts vraiment très intéressants, je veux dire. Comme crochetage par exemple, qui permet d'ouvrir des Oui, coffres. alors justement, ce sort, c'est, je crois, vraiment mon sort préféré. Parce que ce sort, comment dire, bon, il coûte un peu cher, mais franchement, ça vaut largement le coup. Hein. Si vous pouvez prendre, ben, je vous conseille. En fait, vous avez besoin de cisaille. Et après, ce Ouais. sort permet de crocheter les portes, les coffres et ce genre de choses ben, partout, au spawn, dans les facs qui à son clem, tout ça, quoi. Et en fait, donc je donne un exemple. Genre maintenant, maintenant que je prends ce sort, je vais voir mon copain de Texas
je vais ouvrir un de ces coffres et je peux prendre ce que je veux dedans. Voilà, c'est un petit peu cheaté, mais En gros, bon, c'est ça. Mais voilà. bon, pour compenser ce cheat en quelque sorte, parce que c'est en fait, vous avez qu'une chance sur 4 ou sur 5 de réussir le sort. Et sachant qu'il y a un temps entre chaque sort et qu'à chaque test, vous perdez une cisaille. Donc, voilà. Voilà, donc je voulais revenir aussi rapidement vite fait sur la petite vidéo qu'on avait fait la dernière fois. Donc Oui. non, c'était une mauvaise idée, Mynesus. Sur la vidéo qu'on avait fait la dernière fois, c'était on avait expliqué un petit peu ce qui se passait justement au niveau des donjons, comment ça fonctionnait. Je voulais Mais quand je vais le même dire tuer, que... là, quand Qu'est-ce même. Non, qu'il y a? mais je vais le tuer, lui. C'est pas possible. Ah oui, non, mais il est très énervant aujourd'hui. Donc nous avions dit qu'il fallait aller, enfin nous avons indiqué les positions des donjons tout ça, mais n'oubliez pas surtout d'aller faire des petits coups d'œil aux alentours du spawn parce que quand même il y a des items qui sont intéressants sur les coffres, enfin intéressants. Évidemment ça va pas être des stuff P4 tout ça, ok, des stuff P4 et tout ça, mais bon ça peut quand même aider si vous Ça débutez. roule, Donc ça n'hésitez pas, allez pas seulement rush les donjons, n'hésitez pas à roule. aller jeter un coup d'œil aussi au niveau des coffres qu'il y a. Parce qu'il y en a plein, hein. Il y a plein de coffres à découvrir autour de Oui, la zone du spawn. et il y a Donc, même aussi, ouais. pardon, je te coupe, il y a même aussi des bâtiments. Par exemple, je donne le premier qui vient en tête, c'est la tour, comment ça s'appelle déjà, la tour abandonnée Ouais. et qui justement a besoin du sort crochetage. Et là, vous pouvez avoir un petit cadeau qui est vraiment, vraiment très utile. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe, et il y a des petites histoires sympas avec les PNJ. Bon, vraiment, ce sera pas des trucs de ouf non plus, mais c'est toujours sympa. Donc, on va enchaîner tout de suite avec ce que nous voulions dire sur les avancements qui ont été produits depuis la dernière fois. Vous pouvez voir que le trou a bien avancé, et d'ailleurs, je crois que L'infini, Monsieur en fait. Binetus s'occupe de reboucher actuellement les trous qu'il y a un petit peu partout. Ok, il y a eu un gros bug là, je crois, non? Non, du tout. Ok, donc voilà, on a fini enfin ce trou. Maintenant, on va s'occuper de l'aménager et déjà de faire des remparts autour. C'est vrai que j'ai jamais trop testé l'histoire de la sable, cobble, sable D'accord. psy et eau. En fait, c'est très simple à comprendre. Déjà, je vais vous dire que comment dire, l'obsidiane se pète au bout de 10 coups de TNT, mais sur le même bloc. Oui, voilà, donc c'est ça va, l'obsidienne ça résiste bien, y a pas de problème là-dessus. Ensuite, comment dire, en fait, le truc, c'est obsidiane, deux couches. Je mets toujours deux couches. Ensuite, je mets de l'eau. Je mets aussi deux couches de flotte. Ce qui permet à TNT de faire aucun dégât, sauf si, bien sûr, vous utilisez, pardon, la technique du champignon, tout ça, voilà. Et en fait, devant l'eau, et ben, je mets du sable, parce que avant, enfin, comment dire, pour faire péter le sable, il faut de la TNT, mais vu que le sable est soumis à la gravité, et ben, comment dire, le mur soit, comment dire, ben, vous devrez péter tout le mur, en fait, c'est ça. Un Ouais, système, le sable retombera sur vous et puis voilà. Enfin en bref, gros, on va s'occuper d'aménager tout ça. pour appuyer une page à ce genre, il vous faudra quelques bonnes heures. Ouais, clairement. Ça, je vous le dis. Donc voilà, on va faire un truc solide qui tienne bien et on va pas Désolé, lésiner sur les efforts. j'ai pris un peu de temps pour tout Tout expliquer, expliquer. mais Bah, je pense que la plupart des gens maintenant auront compris que c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez, bien. Voilà. Donc je propose qu'on fasse quelques petits trucs devant leurs yeux ébahis. Qu'est-ce qu'on va... On va où là? Quoi qu'on fait? Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Je sais pas, on pourrait aller essayer de chercher une autre faction. Allez. Alors, est-ce que j'ai une faction? Ah Je oui, quand regarde. même. Attends, 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 il faut quand même le dire. Nous avons été quatre à combiner nos efforts pour réussir à... Ah ouh là, tu me fais peur toi. Je m'y attendais pas du tout. Donc nous avons été quatre à combiner nos efforts pour réussir à finir ce trou. Et comme vous voyez, nous sommes trois, donc il y a un problème, il manque quelqu'un. Et bien, c'est pour ça que nous voulions faire une petite dédicace à un monsieur qui s'appelle Nuclear Chronos, qui nous a un peu, même pas mal aidé pour finir les deux derniers chunks en fait. Donc merci à lui et grosse dédicace. Donc, on va au spawn. Oui, ça peut, ça se peut. Oups. D'accord. Bravo. Ah, eh ben non. Eh ben non. Pardon.
Alors, que va-t-on faire? Que veux-tu faire? Bah, je sais pas, on pourrait chercher une petite fac là, histoire de se renseigner un peu sur leur position. Alors, en général, les factions sont quand même vachement loin du spawn. Enfin, il y a les facs qui sont. Ouais, mais je veux dire avec le TP Spawn. aléatoire. Non, ouais, bah, ça m'est jamais arrivé. J'ai pris le ATP et ATP sur une base, justement. C'est assez sympa. Ouais, c'est ça, on essaye ça? Bah, vas-y. Bah, je me TP et puis je vous TP. Voilà. Alors, TPA. C'est plutôt mignon ici d'ailleurs, j'aurais un peu échantillonné ici, hop. Tac. J'aime bien ces fleurs, j'aime beaucoup ces fleurs. Je te tu. Ouais, excuse-moi. Je puis. Ah, ben, ça y est, il y a quelqu'un qui va appuyer une pack. Alors, je t'invite à nous rejoindre. Alors, tu vois. Voilà. Tu nous dévis. Salut à tous. Je Salut à tous, c'est Bainisus qui t'appelle, Mister. Et bien voilà, Benesus a retrouvé sa langue. Ok, alors, TP. C'est pas que la langue que j'aimerais bien récupérer. Hein. Hein. Bien sûr, Ah, évidemment. quel jeu de mots. Seuls eux peuvent comprendre. Oh, c'est très con. Bonjour. Oh, c'est quoi cette Alors, punchline? TP-vous les T'as vu gens. ça? Ah, nickel. Alors, je vous conseille de vous TP. Pourquoi donc? Ah, bah, parce qu'on va payer une fac en ce moment. Il est sérieux lui? Oui, allez, venez. Mais c'est parce que quelqu'un m'a mis de la TNT sur la tronche. Il s'appelle Alors. Bainésus cet homme. Bon Allez. alors, c'était à Jean-Michel. Hey. Jean-Michel Bonjour, Manga. Jacques, Michel. Pardon, c'est nul. C'était enculé. Bye, juste bye, ah, désolé, je n'arrive pas à prononcer ton nom. Bye, n'hésite plus à refaire ta TP, s'il te plaît. Bah Je moi peux aussi je l'ai pas. refaite. J'ai deux fois la même, je sais pas quoi. Ah ouais, Euh, non, effectivement, on peut pas se taper deux fois. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? qu'est-ce Ok. qu'il y a? Bon, pas. Bien, enculé. Alors, c'est une fac pas Bon, très tire dessus. grande, mais à mon avis, on va bien se marrer. Ok, c'est parti. Ah, t'es sérieux, mec? Putain! Tiens, attends. Attends, mais t'annules mes téléportations. Oh non, mais arrête de faire chier maintenant. Folle! Alors, il me faut de la TNT, Oh. sachant que j'en ai plus beaucoup de Le moi. chieur. Je n'ai plus de TNT. La nuit. Je vais te niquer, hein. Ça fait 3 fois que t'es là. L'épée. Oui, je l'ai. Voilà, c'est bon. Adieu. Attends. Attends, je vais le spawn. Tu pourras pas chier comme ça. Faut que je réaccepte. Faut que tu me réacceptes ton TP. Vas-y. Oh, il vient d'allumer mes TP au spawn. Quel Hop. enfoiré. Par Attends. contre, j'ai pas d'épée, il a pris mon épée. Bon, vas-y, TP-moi, Fana. Voilà. Parfait. C'est pas grave, elle pue ton épée. Ben ouais, mais c'est quand même une épée. Alors, C'est vrai. regardez, Vas-y, tiens. et là-bas. Zéro point. Alors, justement, ce que moi, je vous expliquais avec le mur de sable. Ouais, ah oui, avec le. Oui. Bah, j'ai une bonne pelle si tu veux. Non, c'est rien, parce que ici, c'est. Ah merde! Oh, les enfoirés! Ils ont claim jusque ici. What, c'est quoi cette espèce de base chelou là? What? Non, en fait, à mon avis, c'est une base qui n'est pas finie, mais il y a du monde dedans, à mon avis. Ouais, bah s'ils sortent un jour, Alors, c'est faut claim qu'ils guettent. jusque où? Ah ouais, ils ont bien claim. Ah, ah, mais là, il y a plein de monde qui va se TP à moi. Ça, c'est bien. Là, vous allez voir ce que c'est un pillage façon modo. Alors, pourquoi je peux pas TP? Pourquoi je ne peux pas TP? Ah, Igor, on C'est un est à la problème. limite du monde. Ah, voilà. Vous avez vu, on est à la limite du monde, les gars. Oui. Alors, là, pour moi, ça va pas être facile de la piller, vu que. Enfin, pas facile. On est un peu loin, et il va falloir beaucoup de TNT. TPA. Toi, par contre, tu vas. Bah, je montais que ça se passe l'épée. Petite ellipse ou pas? Bienvenue. Ah, voilà. C'est une petite ellipse ou pas, les gars? Tant qu'on récupère Ouais, si tu veux. les trucs nécessaires. On récupère les éléments nécessaires là, au pillage et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. On se retrouve un petit peu plus tard avec un stuff un peu plus fourni en conséquence. Bon, les gars, est-ce qu'on est prêt? Fourniture. Ouais, Alors, fourniture. t'as pas de haut de bloc, hein. D'accord, c'est pas grave. On J'ai va juste envie de la faire le tête, pas de connard, grave. mais on va oublier. J'ai tellement envie Non. de tirer dessus, là-bas.
Il faudrait que je fasse un plaquanon à TNT, mais j'ai trop la Tiens, c'est tiens, pas moi. c'est pas moi. Texas. J'ai vraiment la flemme de faire un plaquanon à TNT. Thanks. Ouais. Et nada. Ok. Ok les gars, on... bientôt prêt. J'ai tellement envie de lui tirer dessus à l'autre. Ils sont alliés ou pas les gens là-bas? T'as vu ça, Oui, c'est ils dans sont moi en ça. ligne. Alors, il y a Rox Dragon et il y a Miss Mister Flux qui sont Ouais, actifs. mais attends, c'est qui les a TP là, ce qui C'est squatte? moi. C'est moi qui les ai TP, c'est mes Pourquoi potes. tu les as TP? Parce que là, c'était bon nous aider et que c'est eux qui ont trouvé la faction. Ouais, en fait, c'est Ah, eux qui m'ont bon, TP à la alors base. ça, si c'est contre la faction, ça peut se comprendre. Ok, donc on va faire le canon à TNT ici. Ils font notre canon, je crois, là-haut. Ouais, je vais tester ici, mais à mon avis, ça va fail. Si quelqu'un est en underpearl, je vais vous prouver que je peux déjà être à l'intérieur, mais vu que... Oh, je suis Ouais. tombé comme une merde! Oh ouais, je l'ai eu! Nickel, mec. Ah, je l'ai eu, ok. Nice, j'ai plus de TNT si tu veux. Ah ouais, nickel. Quelqu'un pourrait me passer une underpearl ou pas? Non, je suis désolé, j'en ai pas là. Moi, j'en ai pas. Merde, Quelqu'un parce peut que... monter pour que je J'en file utilise gaffe. Parce jamais. que Parce que sinon, je là, serais j'ai... déjà à l'intérieur et vu que t'as des œufs de creep, on a déjà pillé, mais là... Non, mais Fana. les As of the Creep, je les prends en plus, c'est vraiment très. Fana, tu peux descendre juste un peu Oui, non, pour mais que je même, quoi, file je la pourrais TNT. déjà être à l'intérieur, je peux vous indiquer les faiblesses, je sais pas. Normalement, Pourquoi je prends une patate. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des événements. Et puis, bye bye tout le monde. Oh, J'ai loupé le truc, mais c'est pas oh, grave. et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Blood Symphony. En attendant, j'espère que cette série vous plaît. Vous voyez qu'on a apporté pas mal de changements en espérant que ceci améliore le contenu et vous plaise d'autant plus. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker évidemment et la partager pardon, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également laisser un commentaire si il est constructif, sinon évidemment nous rejetterons ce commentaire. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne si nos vidéos vous plaisent et si vous voulez recevoir toutes les actualités et toutes les vidéos en temps et en heure. Sur ce, tchuss tout le monde.